encore 17 mois. Oui, cher ami de Hakim le roi, il nous reste 17 mois à tenir, et le printemps, les hirondelles vont revenir, et le microbe, le ESS de l'Elysée, va prendre ses bagages, et on sera bien débarrassé, on va faire la fête. Mais ce jour-là, j'invite tous mes amis à manger le couscous, et oui, et les girouettes vont pointer à Pôle emploi. Moi, j'aimais beaucoup le Fouquet à l'époque. Ça me faisait rêver. Mais maintenant, j'ai peur de croiser les clones de Sarkozy, les Maurice Papon de 2010. C'est vrai que le Fouquet nous faisait rêver et on rencontrait des stars à l'époque, mais plus maintenant. Hein? Ah, ne soyez pas plus inquiets, les femmes de Hakim le roi. Vous pourrez aussi inviter vos amis à manger le couscous. Le pauvre con, il va se casser. Mais Carla, elle aussi attend ce jour avec impatience, car elle veut chanter ailleurs. Si Ségolène ou Martine Aubry se présente, elle sera capable de se paxer avec l'une ou l'autre. Si c'est Besancenot, elle est bien capable de faire sa mimi et pour être dans les bras de Bézan. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'elle se serait mise avec un mouton qui a la tremblante. Mais la vie de Carla a changé, il y a eu de l'animation. Eh oui, de l'action, ça a été mouvementé, il y a eu de l'ambiance. Et notre Rachida sera rentrée dans le placard, au balai. Kouchner va retourner sa veste encore une fois et va retrouver ses copains socialistes. Éric Besson, le Barbie du Sarko et le traître pédophile. Il va retourner en Tunisie, offrir aux Tunisiens des mobilettes. Et notre Ramayad, rêveuse, elle va retrouver sa liberté et elle va écrire un livre dans l'ombre de Sarko, le méchant président. La pauvre fille, elle s'est ruinée en prosate. Borloo va ouvrir un bar dans le Beaujolais. Nadine Morano va faire une carrière de comique. Elle racontera des histoires de Sarko. Et Christine Boutin va faire son régime. Bon courage les fans de Sarko. Bon courage les fans de Hakim le roi. Encore 17 mois. Allez voter, les jeunes et les vieux. Mais pas Sarko. Ça suffit les dégâts.